Bon là, comment ils ont pu nous retrouver? Putain, là, on est bien dans la merde. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un a un plan? Peter, je te rappelle que c'est toi, le chef. À peine on s'évade, à peine ils nous retrouvent. Putain. Ah oui, c'est vrai. Bon, j'ai une idée. Peter, tu vas à gauche et moi, je vais à droite. On va bien voir quel ennemi on va affronter. Bien, d'accord. Si ça part mal, j'appelle Damage Control. Allez, bonne chance les gars. J'espère que vous allez réussir. Bon, bah moi, je tombe sur leur chef, le bouffon vert. Et toi, Peter? Oh merde, je suis tombé sur les deux symbiotes. Ah, Spider-Man. Mon fils, il est à nous, allez. Waouh, il est beau ton costume. C'est ta maman qui te l'a fabriqué? Peter! Attention, Peter, tu vas mourir! Hein? Non, il esquivait! Ah, belle esquive, Peter! Ah, peut-on maintenant finissons-en? Allez! Finissons-en! Ah, nous allons te tuer, Peter, et te déchiqueter. C'est ce que nous allons voir. Allez! Ah, tu es très fort, Peter. Mais t'es qui, toi? Enlève ce masque! Il ne te sert à rien. Allez, là, descends de cette plateforme. Ah, tu es bien fort, Peter. Ah. Bon, maintenant, on va se battre sur un nouveau terrain. Allez! Allez, ah mais je ne peux plus bouger. Et toi, mon père? Pareil. Je vous ai bien eu. Vous êtes entoilé. Ah, sache que tu vas payer très cher. J'ai une idée, je sors de là. Non, Eddie, tu vas rester collé sinon. Ah. Mais c'est quand tu vas te rendre, Peter? Je ne me rendrai jamais. Ah. Allez maintenant, finissons-en. Là, c'est vraiment un psychopathe, ce nom. Allez maintenant, finissons-en. Là. Ah. Mesbier, j'arrive. Ah, je vais pas le laisser s'échapper. Mesbier, vous allez bien? Vous allez bien? Il faudrait qu'on file. Oui, maître. Toi, prends ça. Ah! Il me l'a mis là où il faut pas. Oh, mortel, ça fait mal. Tu as cru être fort, bouffon vert. Mais tu ne fais pas le poids. Pas tout ça, mon chef. Là! Ah! Bordel! On dirait qu'ils sont quatre. Ah, vous attendez pas cette surprise. Bon, allez, on file. C'est parti. Oui. Allez! Allez, on vise. Allez, on file. Parfait. Il est là comme prévu. Je vais pouvoir lui demander enfin une mission. C'est bon, ses congés sont finis. Ah, Sloane. Que faites-vous ici? Pourquoi venez-vous me voir? Quel est vos ordres? Je suis en attente. J'en suis sûr, c'est pour une nouvelle mission, c'est ça? Oui, tu vas devoir éliminer deux personnes pour moi. Ce sont des amis des sept. Les sept, je m'en occuperai moi-même, ne t'en fais pas. Bon, je t'ai envoyé une photo. Bien. Mais j'avais des congés, madame. Pourquoi? Pourquoi? Écoute-moi bien, t'as intérêt à faire cette mission. Sinon, tu sais très bien. Ah, tais-toi. Ah. Ah, tu vas te calmer tout de suite. Sinon, tu sais ce qui t'arrive. J'ai une télécommande. Ah, je range mon sable, c'est bon. C'est bon, madame. Du coup, ils sont où à peu près, vous savez? Non, je sais pas, mais toi, t'es le meilleur pour retrouver ta proie.
toutes tes proies. Lui qui sont deux. Oui, vous avez raison. Je vais y aller du coup. Au revoir, madame. Bonne chance. J'espère qu'il va réussir. Sinon, je suis dans la merde. Mais c'est impossible. Comment il a pu arriver jusqu'ici? Franchement, on est sur l'ancienne île, on dirait. Je pense qu'il est bien de retour. Ouais, tu as raison, visiteur. Neymar. Oh merde, n'hésite pas. Quel institut onirique va le ressusciter? Cactus. Analysons le pouvoir si c'était vraiment lui. Bon, allez. Ils sont en train de détruire tous mes plans. Ils vont découvrir ce que je suis en train de faire. Bon, là c'est pareil de mon côté, il est presque pareil. Pareil aussi. Bon bah, c'est vraiment lui. C'est lui-même, mais où est passé les clés? Je ne sais pas ce que tu vis. On dirait qu'elle a été retirée comme si elle n'avait jamais existé. Oui, mais c'est impossible qu'elle ait été retirée, moi aussi, et qu'elle a pu tuer le monstre. Moi aussi je me pose la question. Non, mais j'avais l'impression de faire quelque chose là-bas. Tu as dû halluciner les scientifiques. Bon, du coup, cet été je me demande où aller. Oui, tu as raison. Bon, là, on ferait mieux de rentrer à notre base pour en savoir plus. Allez. Ils vont dans leur base, je vais les suivre. Je vais me faire passer comme si je bossais avec eux. Allez. Allez, Max, c'est quand cette pizza elle est prête? Elle arrive! Ah, nous mourrons de faim! C'est bon, la pizza est prête, vous allez être content. Merci Max de nous donner cette pizza. Maître, je vous l'ai déjà dit, appelez-moi Electro. Allez! Oh, elle est incroyable! Goûtez, bien! Ah, magnifique! Ah oui, là je suis d'accord. Ah. Alors, qu'en pensez-vous, maître? C'est excellent, bravo, Electro. Je te félicite. Bon, maintenant, j'aurai une récompense à chacun de vous. Electro, toi, je t'expliquerai après. Carnage, tu pourras récupérer un autre. Et moi, qu'est-ce que j'aurai, moi? Toi, je pense que ton autre aura... un poste au DI Bugle. Bah ouais, t'as tout compris. Phenom. Bon, du coup, moi je vais aller capturer un autre héros. Vous allez capturer qui, maître? Je vais capturer Captain America. Je vais laisser Tony Stark en vie pour l'instant. Bon, j'ai bien fait de retrouver Deadpool. Ah. Bon, mais... toi? Toi? Tu es à nous. Non! Bon, là faut qu'on retrouve Peter au plus vite. Oui, tu as raison Tony, mais... c'est qui lui là-bas? Lui, j'ai pas confiance. Allons l'intercepter. Bon, je vais mettre mon armure au cas où. Allez, on y va. Vous là, retournez-vous lentement. Hein? Vous êtes tombé dans mon piège, car prévu les Avengers. Comment tu nous connais? Et t'es qui toi? Dis-nous ton nom. Ou sinon, t'auras affaire à nous. Allez, dépêche-toi. Allez, Captain America, tu viens avec moi. Quoi, mais... où est passé Steve et le mec? Bordel de merde. Bon, il faut que je retrouve Peter. Heureusement, il y a une balise. Heureusement sur son costume. Bon, allez, il est temps que je me mette en route. Allez. Oh, on a eu chaud, papa. On a failli se faire tuer par Venom et ce mec électrique, là. Electro. Ouais, c'est bizarre. Oui, mais Venom, il n'était pas comme ça avant. Il a sûrement été manipulé. Oui, je pense. Bon, maintenant, là, ça fait 2 jours qu'on est ici. Là, faut qu'on sorte un peu. Oui.
Tu as raison, là ça va me faire du bien, un peu de prendre l'air. Et merci d'avoir refait mon armure. Heureusement, il restait des bouts que j'avais gardés. Allez, on y va. Allez. Viens, on se prend quelque chose. Oui, vas-y. Ah! Vous, je vous arrête. C'est ici que vous allez mourir. J'ai été envoyé pour vous tuer. Vous êtes des amis des sept. Qui êtes-vous? Eh oui, nous sommes les amis des sept. Oh non, Sloane. Comment avez-vous deviné? Celui qui m'a envoyé pour vous tuer. Mais peu importe, vous allez mourir. Écoutez, monsieur, on peut vous aider. Sloane est une menteuse. Elle nous a trahis par le passé. Non. Moi, elle m'a jamais trahi. Bon, quand même, j'avais des congés, mais elle n'a pas voulu m'en laisser. Bon, maintenant, enlève ce masque et dis-nous qui tu es, et on ne te fera pas de mal. T'es pas un robot, sinon t'aurais une voix de robot. Allez, mec, enlève ton masque, s'il te plaît. Bon, il répond pas. Moi, je m'occupe de lui. Ah, allez, ton heure a sonné. Robot, ou je ne sais pas ce que t'es, mais ton corps, on dirait vraiment un robot. Là, tu vas goûter à ma nouvelle PM. Allez, vas-y, attaque, je suis prêt. Vas-y. Ah. Hein? Il est là! Mais, bordel! Ah. Maintenant, attends ton ma jolie. Non, non, s'il te plaît. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. Dis-moi qui tu es avant que tu meures. Et enlève ce masque, s'il te plaît. Mais cette voix, mais c'est... Ronin! C'est toi, mon frère! Ah. Ah. Que se passe-t-il? Ma tête! Ah. Mes souvenirs! Oula, qu'est-ce que t'as fait, papa? Qu'est-ce que tu lui as fait à ce gars? C'est mon frère. Mais il est mort, je reconnais sa voix. Mes souvenirs, je me souviens de qui je suis. Mais comment as-tu pu survivre? Tu es mort, il y a des années. Oui, tu m'avais dit que tu avais un frère et qu'il était mort. Mais tu ne m'as pas expliqué comment il est mort. Mais là, c'est toi dans cette armure. Mais comment je peux être encore en vie? Je me souviens, je vous explique tout ça. Oui, tu pourras tout nous expliquer. Ne t'en fais pas. On va pas te faire de mal, Ronan. Allez, on va aller dans notre maison. Merci de m'occuper de moi, comme mon bon vieux temps. Et enlève ce masque. Ne t'inquiète pas, je vais enlever ce masque. J'en peux plus de le porter. Je suis désolé si j'ai fait ça. Je n'avais pas le choix. Et d'ailleurs, Midas, où est ta femme? Je t'expliquerai tout ça aussi. Dans la maison, on a des choses à se dire, toi et moi, mon frère. Ah, je suis tellement content de te revoir. Ouais, moi aussi. Bon, là, heureusement qu'ils nous ont pas retrouvés. Heureusement qu'ils se sont enfuis. Oui, là, il faut qu'on élimine ces quatre-là au plus vite. Ce sont des dangers, comme Jamison le dit. Oui. J'entends du bruit à la porte. Ça a sonné. Va voir, Peter. Allez. Mais, monsieur Stark, c'est vous? Peter, fais-moi entrer. Allez, 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 vite, vite, vite. Ah, je suis content de te voir, Peter. Au moment où je t'ai retrouvé. Monsieur Stark, je suis content de vous revoir. Et où est Cap? Il a été enlevé par un mec violet et vert. Un mec violet et vert? Ok. C'est le bouffon vert. C'est lui qui l'a capturé. Et apparemment, il a peut-être enlevé Jameson. Il a enlevé Jameson et il a enlevé Cap. Je pense que Norman Osborn a un lien avec tout ça. Norman Osborn, oui, on l'a vu aussi à la télé. Je pense aussi qu'il a un lien avec le bouffon vert. Bon, moi je vais rester ici. Vous, allez voir au Daily Bugle pour voir. Oui, de toute façon, j'allais prévoir un plan. Je vous explique tout ça. Tout ce que je vais vous dire là, on attend pendant la nuit et ensuite
On y va. Allez. Parfait. Je suis dans leur base, je vais pouvoir m'occuper d'eux. Bon voilà. Dans le là-bas, j'ai une idée ici, on va pas parler. Oui, c'est une excellente idée, scientifique. Comme ça, pour nous aider à retrouver notre chef, et aussi à étudier ce squelette. Oui, c'est une excellente idée. Allez, oui, moi je peux vous aider. Ne vous en faites pas. Je pourrais vous aider. Oui, ne vous en faites pas. C'est quoi le but? Je suis prêt à faire n'importe quoi pour vous. Bien, d'accord. Le but, c'est de refaire paradigme. Paradigme? J'ignore qui c'est, mais c'est peut-être une de vos collègues. Je veux bien vous aider, c'est facile. Bien, merci d'être venu, Spider-Man. Heureusement, vous tombez à pic. Allez. Bon, c'est pas si compliqué que ça, du coup. Et voilà. Premier fragment de son corps fait. Wow, c'est vraiment ce fort, Spider-Man. Je m'attendais pas à ça. J'ai cru que vous étiez qu'un héros. Ben non. Mon Dieu, c'est sur la place que vous êtes fort. Merci, merci. Je suis très fort en maths et en sciences. Ça, c'est les matières les plus faciles pour moi. Allez, continuons là. Et voilà. Wow, trois fragments. Ben voilà. Merci, merci. Visiteur, avez-vous du café, s'il vous plaît? Je sais que je suis encore mineur. Oui, j'ai du café, vous en faites pas. Je vais aller vous en servir. Bien, ne vous en faites pas, Spider-Man. Bon, maintenant, je m'occupe aussi. Prends ça! Ah, bon, scientifique. Mais, scientifique, qu'est-ce qui se passe? Où est Spider-Man? Scientifique, réveille-toi! Prends ça. Maintenant, il est temps que je les emmène dans ma base. C'est bon, nous sommes allés délire la gueule. C'est là où Norman est. On va pouvoir s'occuper de lui. Oui, allez, préparez-vous. J'en suis sûr que Norman a un lien avec ce bouffon vert. Oui, je pense aussi. On va le faire parler. J'espère qu'il y a Cap et Jonah. Sinon là, on est dans la merde. Oui, on va lui faire cracher le morceau. Allez. Allez, on y va, c'est parti. Soyez discret. Faites attention, il a peut-être posé des pièges. Allez. Soyez discret. Bon. Allez. Ah, c'est bon, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Ils sont bien enfermés, ces deux-là. Où est-ce que vous les avez enfermés? Dans une centrale électrique. Avec des éoliennes. Ah oui, je vois où c'est. Parfait, c'est bon. Il y a du bruit là-bas. Je pense que c'est là où est son bureau. Allez. Allez. 3, 2, 1, on entre. Allez. Soyez discret. Allez, maintenant, plus. Relevez-vous maintenant. Attention. Bon, maintenant, il faut que je continue. Parfait, il est là. Allons l'intercepter. Oui, vous avez raison, Monsieur Stark. Allez, c'est parti. Norman Osborn, on ne bouge plus. Dites-nous ce que vous avez fait de Jonah et de Captain America. Wow, calmez-vous. Dites-nous où ils sont, sinon on vous abat. Dépêchez-vous, dites-nous. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui habitent chez moi. Oscorp n'existe plus. Mon fils, il m'arrive de faire des trucs bizarres comme si quelqu'un prenait le contrôle. Il parle du bouffon. Oh non, il a un lien. Je vais m'occuper de toi. Arrête de chialer. Non, Monsieur Stark, arrêtez. Peter, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Tu me... Laisse pas passer. Écoutez, il a peut-être un problème. Je pense que c'est le bouffon. Écoutez, on sait que vous avez un lien avec ce bouffon vert. Vous pouvez nous aider. Dites-nous où est Cap et Jonah. J'ai pas confiance. Tu n'es pas Peter Parker. Tu n'es pas mon Peter.
Seul Peter peut m'aider. M'approchez pas. Écoutez, monsieur Osborne. Laissez tomber Tony. Écoutez-moi. Je peux vous aider. Dites-nous juste où est Jonah et Cap et on vous protégera du bouffon. Bien, je vais vous dire. Suivez-moi. D'abord, s'il vous plaît. Mauviette. Quel imbécile, Norman. Bon, allez-y, dites-moi tout. Vous en faites pas, on ne vous fera aucun mal. Ouais, dépêche-toi. Allez, Norman, ne vous en faites pas. Il les a emmenés, ou plutôt capturés et enfermés, dans une centrale électrique. Il y a des éoliennes. Pas loin. Bon, un petit peu, mais ça va. Mauviette! Et il veut former une... Ah, Mauviette! Norman! Vous allez bien? Norman! Plus de côté obscur. Tu crois, Norman, t'allais t'en sortir? Peter. Toi, mettez le bouffon vert. C'est toi qui as kidnappé Cap. Tu as tout compris. Le bouffon. Oh non, il était dans son corps depuis le début. Oui, oui, j'ai bien caché mon jeu. Mais ça a été des fois, Norman. C'est bon, un psychopathe. Je vous connais pas déjà, pourquoi voulez-vous me tuer? Tu crois ça? J'ai pris le temps de t'observer dans les yeux de cette mauviette de Norman. Tu es tiraillé. Tu voudrais être tout à la fois. Mais le monde, lui, va t'obliger à choisir. Le monde est à nous. Merci, mon pote. Ouais, je vais te battre. Vite, reviens. Allez. Non. La porte est verrouillée. Non. Mais qu'est-ce que c'est? Je vais le verrouiller. Toi. Tu m'en es. J'en ai besoin. Non. Ne touche pas à mon armure. C'est pas à ton armure que je veux. C'est ça. Ton acte. Non. Peter. Mais c'est ça. Allez, je vais. Non, mais c'est ça. C'est plus bien. J'adore. Sache que tu m'as connu. Vous devez en finir. Attention! Ah! Oh bordel! Ah, bien joué, patron! Ah, tu as assez fort pour être tout à la fois! Peter, 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 aucune bonne action ne reste impunie. Tu me remercieras plus tard. Je ne vous remercierai jamais. Vous n'êtes qu'un assassin. Maintenant, finissons-en. Maintenant, il est à moi. J'ai tué son mentor, maintenant je vais tuer lui. Stop, arrête! Nous nous occuperons de lui plus tard. D'accord, mais pourquoi l'a attiré ici? Alors, ne t'en fais pas, j'ai un plan. Mais maître, bon, allez, à plus. Où est-ce qu'ils sont passés? Peter, ça va? Oui. Vite, vite, vite. On ne bouge plus, on ne bouge plus. Allez, Damage Control, c'est vous. Heureusement vous êtes là. Oui. Dépêchez-vous. Mettez les mains en l'air. Pour enlèvement. Peter. Il a appelé la police. File. Vite, vite, vite. Vite. Non. Il nous a échappé. Non. Il nous a même pas laissé d'indice. Peu importe, au moins on a son copain. Lui, il aura des indices.
Allez, on ne bouge plus, on ne bouge plus. Spider-Man, vous êtes en état d'arrestation, même si tu n'es pas le vrai. Tu es complice, allez, on lui passe les menottes et on l'emmène au commissariat. Bon, que font-ils? Là, je m'inquiète vraiment pour eux. Il faut que je leur envoie un message. Parce que là, ça fait plus de 3 heures qu'ils sont partis. Bon, je sais que la mission est longue, mais on va tenter. Allez. On ne bouge plus, on ne bouge plus, on ne bouge plus. Les mains en l'air. Vous êtes en état d'arrestation. Pour être complice de Peter Parker, alias Spider-Man, le kidnappeur de J. Jonah Jameson. Allez, maintenant, on va vous passer les menottes. Qui vous a amené? Qui a dit qu'on habitait ici? Comment vous le savez? Taisez-vous maintenant, allez, allez. Heureusement, Monsieur Osborne, il nous a prévenu. Monsieur Osborne, écoutez, Peter n'a pas enlevé Jonah, c'est le bouffon vert. Un monstre. Norman Osborne a un lien avec ça. Ouais, mon œil, c'est ça, allez. Ah, vous faites mal. Allez, dépêchez-vous. Allez, la voiture, au commissariat. Vous n'êtes pas le seul. La seule, ma jolie. Allez. La voiture. Allez, avancez. Avance ou on vous bute. Allez, montez. Oh non. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? On vous l'a déjà dit, vous êtes conne ou quoi? Allez, direction le commissariat. Allez. Oh putain. Votre collègue est là-bas. L'autre Spider-Man. Sbire, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, maître. Qu'est-ce que vous nous avez à dire? Dites-nous. On a gagné. Peter Parker et ses amis sont sous les verrous. Le monde est à nous. Maintenant, suivez-moi. Nous allons conquérir ce monde. Hey, et moi avec ma nouvelle énergie. Nous, les Sinister Six. Oui, il faut qu'on trouve les deux uns. Les deux uns, on ne va pas les trouver. Ah!